Ne bouge plus, Salam Alek, bonjour, comment vas-tu? J'ai sûrement ce qu'il te faut. Tu veux un chameau, une bosse ou deux? Je plaisante. Achète-moi un avant qu'il n'ait mangé la baraque. Mais n'oublie pas, ils ne t'emmèneront nulle part si tu n'as pas de carte. Eh oui, c'est comme ça. Woup. Peut-être que quelqu'un a caché une carte du carnaval magique dans ce pot. On sait jamais. Youpi! On touche au but! Oh, je vais avoir plus de boss que ce dromadaire. Le tapis est quand même plus confortable. Enfin, abracadabra! Il n'y a rien dans le coin! Zéro! Oui! Que dalle! Je parie que tu t'es encore trompé de carte! Une seconde! Il suffit de prier la bonne étoile. Et voici le carnaval magique. Entrée et désert compris. On devrait être tranquille. Il n'y a pas un rat. Mon petit doigt me dit qu'on va y trouver le deuxième morceau de la lampe et l'avenir de notre ami Al est en jeu. Tout dépend de toi. Allez, que la fête commence. Nous y voilà. Le mystérieux carnaval magique. C'est ici que nous trouverons le deuxième morceau de la lampe. Pour ça, il nous suffit de jouer à une ribambelle de jeu. Je sais, c'est crevant, mais il faut bien que quelqu'un se dévoue. Regarde-moi un peu tous ces prix fabuleux. Ton rêve est devenu réalité. Vive la fortune! Et à toi de jouer, petite canaille. Oh, c'est génial! Et le morceau de la lampe est sûrement dans ce bric-à-brac. Il y a peut-être même un trésor. Peut-être que le moustachu sait où est le morceau de la lampe. Bonjour jeunes visiteurs et bienvenue au merveilleux carnaval magique de Mechanicless où tu pourras jouer autant que tu voudras. Mais n'oublie pas qu'à ton départ, le carnaval magique disparaîtra lui aussi pour réapparaître dans une autre oasis quelque part dans le désert infini. Clique sur un de nos merveilleux prix et tu en seras peut-être bientôt l'heureux propriétaire. Si tu possèdes les tickets nécessaires. Il a parlé de merveilleux prix. Ça vaut le coup d'essayer. Alors, il faut se secouer, qu'est-ce que t'attends? Il t'a dit de cliquer, alors clique sur ces prix! Une théière exceptionnelle en porcelaine de Limoges, décorée avec une pièce rare, la poignée d'une lampe ancienne. Qu'est-ce que t'as dit, là? J'ai dit une théière exceptionnelle en porcelaine de Limoges, décorée avec une pièce rare, la poignée d'une lampe ancienne. Banco! C'est le morceau de lampe qu'on cherchait! Tu n'as malheureusement pas la bonne combinaison de billets pour t'offrir ce merveilleux souvenir. Teste tes capacités intellectuelles, joue au carré, la gloire t'appelle. N'hésite pas, joue au nombre magique, choisis une carte, c'est fantastique. Le numéro manquant est perfide, c'est à toi de jouer, sois rapide. C'est encore moi, l'esprit du pharaon roulant camion premier. Je connais ton courage et ton intelligence. Tu as fait un long voyage. Sache que la voyante te révélera ton avenir. Tu affronteras d'effroyables dangers que j'ai moi-même créés de toutes pièces, mais sur lesquels je n'ai plus aucun contrôle. Alors, courage! C'est de ton succès que dépend désormais l'avenir du monde. Le temple des dragons a grand besoin de toi. Reconstruis les colonnes qui soutiendront son toit. J'ai animé le jeu qu'il te faut. Le dernier a relié les formes entre elles. Avance, ne sois pas inquiet, viens tenter ta chance, à ce cricket. Regarde-moi tous ces jeux, je sens que la chance est avec moi ce soir. Mais il y a tellement de choix que je ne sais plus où donner de la tête. Je me demande ce qu'il y a par là. Peut-être bien qu'il y a un super trésor. Hé, la diseuse de bonne aventure, ne serait-ce pas un indice?
Moi, je préférerais trouver un trésor. Je pourrais même me contenter d'un stand de cacahuètes. Nous avons tous les tickets nécessaires. Allons acheter ce morceau de lampe. Une théière exceptionnelle en porcelaine de Limoges, décorée avec une pièce rare, la poignée d'une lampe ancienne. Banco, c'est le morceau de lampe qu'on cherchait. Et on est vraiment vernis. On a juste assez de tickets. Garçon, s'il vous plaît. Hourra, c'est gagné. La poignée de la lampe de Bizarra. Et de deux. Plus qu'un morceau. Je les garderai pour toi. Maintenant, il faut chercher une piste pour trouver le dernier morceau de lampe. Eh, au fait, je ne suis pas extra lucide, mais si on allait voir cette voyante. Si tu prenais des biscuits qui prédisent l'avenir, j'ai faim, moi! Ce merveilleux jeton est la clé du futur. Il vaut une fortune chez la diseuse de Bonaventure. La fortune nous sourit. Elle nous révélera peut-être où est ce morceau de lampe. Et par une heureuse coïncidence, on a assez de tickets pour l'acheter. Allez, le grand bleu, par ici la monnaie! Excellent choix. Grâce à ce jeton, nous pourrons acheter les prédictions de la voyante. Je te garderai tous tes prix jusqu'à ce que tu quittes le carnaval. Mais non, je ne les perdrai pas. Ne regarde pas comme ça. Je peux te voir à travers l'écran, tu sais. Soyez les bienvenus, amis. Ce n'est que moi. Découvrez l'inconnu qui a sa propre loi. Ce que sera l'avenir ou ce qu'il ne sera pas. Allons, n'ayez pas peur. Venez donc, approchez. Si jamais je me trompe, vous serez remboursé. C'est trop, c'est dingue. Une boule de cristal, une authentique voyante, une carte ancienne ancienne. On n'a plus besoin de faire le 36-15. Peut-être même qu'elle sait où l'on peut trouver le dernier morceau de la lampe. Si tu es digne de découvrir ton avenir, mets un jeton dans la fente et tends la main. Si tu en es indigne, je ne te révélerai rien. Alors passe ton chemin. Allez, vas-y, fais glisser le jeton dans la fente. On verra bien si elle est au courant de quelque chose. Pourquoi rechercher l'avenir alors que le passé est gravé dans les étoiles? Néanmoins, j'accepte de lever un coin du voile. Bizarra, le génie, était ici il y a peu de temps. Elle a appris que c'est Aladdin qu'elle doit craindre. Alors c'est pour ça qu'elle veut capturer Al. Oh, quelle est méchante, quelle vilaine. C'est le génie du mal. Pour arrêter Bizarra, Aladdin doit souhaiter disparaître de ce monde avant l'été. Oh, je sais. Désolé pour la rime. Oh. Al doit quitter ce monde. Oh, non, non, c'est pas juste. Cherche le dernier morceau de la lampe, si tu en as le courage. Dans la pyramide du pharaon roulant camion qui flotte dans les nuages. Hé, hey, les amis, vous avez le deuxième morceau de la lampe? Roger, reçu 5 sur 5, Alpha Zulu. Mission accomplie. Al, on connaît même notre prochain objectif. Il faut qu'on aille chercher ce morceau de lampe dans la pyramide flottante de roulant camion. C'est super! On va occuper Bizarra pendant que vous, vous irez fouiller la pyramide. Et on vous retrouvera un peu plus tard. Al, au fait, avant que j'oublie, la voyante a dit... Ah, 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 te revoilà enfin, petit malfrat! Il faut que je file. Où est passée cette ignoble vermine d'Aladin? Je crois que c'est l'occasion rêvée de mettre les voiles. Oh, une pyramide flottante. C'est comme qui dirait le monde à l'envers. C'est surréaliste. Mais comme on dit, la réalité dépasse la fiction. Vous approchez de la pyramide magique du sorcier pharaon, roulant camion premier. Tous ceux qui oseront entrer seront à jamais perdus. Une fois à l'intérieur, on ne peut plus faire marche arrière. Abandonnez tout espoir de retourner un jour d'où vous venez. Mais votre quête justifie tous les risques. Je commence à me demander si tout ça n'est pas une très mauvaise idée.
On n'a pas le choix. Si on veut arrêter Bizarra, il faut qu'on aille chercher le dernier morceau de la lampe. Au travail. Oh, oh, j'ai horreur de ça. Je le sens mal. Regarde-moi ça. Un genre de serrure à triangle mystique. C'est pour ça que j'ai un ton mystique. Et de l'autre côté, on découvrira enfin les mystères de Roulant Camion. Hé ? Est-ce qu'on a les triangles qu'il nous faut ? On en avait trouvé 3 dans le labo de Roulant Camion à Agrabah, tu te souviens ? Heureusement que j'ai pris soin de les emporter. On n'a plus qu'à découvrir comment disposer les 4 triangles dans cette case. Pour commencer, clique sur un des triangles, fais-le glisser et mets-le en place dans la case. Si tu cliques sur un triangle sans le déplacer, il tournera sur lui-même. Oh, mais c'est que c'est une grosse tête, cet enfant! Vous ne pouvez plus reculer. Bon, alors on peut aller dans 2 directions. On peut aller à gauche, on peut aller à droite. Bon, tu vas faire quoi ? Oh, je sais ! On va faire demi-tour. Ah ! Ah ! D'accord, choisis un couloir. Bon. Elle est du bois dont on fait les sentiers. Je me demande si elle est de la famille de Bizarra. Regarde bien les superbes joyaux de mon collier. Il en manque, hélas, encore quelques-uns. Et tous les joyaux de mon collier sont différents. Observe-les avec le plus grand soin. Si tu parviens à remettre à leur place tous les joyaux, ce sera gagné. Tu pourras passer. Des joyaux ! Ils sont à moi ! Je pourrais m'acheter ce que je veux, un palais impérial, un yacht ! Je crois que je pourrais même m'acheter un sandwich au fromage ! Oh, ah ! Regarde bien les joyaux du collier. Ils forment un genre de motif. Tu le vois ? Alors, clique sur un des autres joyaux et remets-le sur le collier. Mais il faut qu'il soit à la bonne place. Vous pouvez passer. J'espère vous revoir un jour. Eh ben, on a eu chaud. Mais on a fini par passer. Saupoudre les pages du livre à l'aide des feuilles mystiques pour révéler le mystère de la pyramide flottante. J'étais autrefois un sorcier en quête d'extraordinaires pouvoirs magiques. Un long voyage m'a conduit sur l'île des dragons, royaume des forces des ténèbres. J'ai combattu les dragons avant de gravir la montagne au sommet de laquelle leur trésor m'attendait. Là, j'ai découvert une lampe antique en argent massif. Et j'eus tort d'oser espérer qu'elle renfermât un génie capable de me doter à jamais de pouvoirs illimités. Mais à l'intérieur de la lampe se trouvait une monstruosité, un génie maléfique dont l'esprit transformait en cauchemar le moindre de mes souhaits. Et ce génie du mal se nommait Bizarra. L'avenir du monde reposait entre mes mains. Bizarra devait être mise hors d'état de nuire à jamais. J'ai édifié cette pyramide flottante. Et j'ai emprisonné Bizarra au plus profond de ses entrailles. Mais aujourd'hui, elle s'est évadée. Bizarra mettra bientôt à feu et à sang plus d'un millier de royaumes sur cette planète. Tu dois à tout prix accéder à la chambre secrète et mettre un terme à sa terreur. Mais sois prudent. La pyramide est truffée de dangers obscurs.
et tu risques fort de ne pas y survivre. Ah, alors ça, c'est ce qu'on appelle une nouvelle. Comme si on n'était pas au courant, bon sang. Il aurait quand même pu mettre une pancarte dans le jet de mort sur la porte. Une autre serrure à triangle. Voici les clés. Voici le matériel. Bonne chance. Bravo! C'est à toi de voir! De toute façon, je crois que la chance est avec moi! Personne ne franchira cette porte sans avoir d'abord rendu hommage au lézard de la garde. Personne ne franchira cette porte sans avoir d'abord rendu hommage au lézard de la garde. Personne ne franchira cette porte sans avoir d'abord rendu hommage au lézard de la garde. Non. Ces types sont affreux, visqueux et tortueux, et leurs marbres écailles. Entre nous, s'ils ne mangent pas les perroquets, moi, ils ne me dérangent pas. Pour pouvoir passer, tu dois satisfaire mon orgueil en mettant dans chacune de mes coupelles un nombre de joyaux égal à celui inscrit sur ma couronne. Pour satisfaire mon orgueil, tu devras mettre dans chacune de mes coupelles un nombre de joyaux égal à celui inscrit sur ma couronne. Pour satisfaire mon orgueil, tu devras mettre dans chacune de mes coupelles un nombre de joyaux égal à celui inscrit sur ma couronne. Tu trouves qu'ils ont l'air d'avoir faim, toi? Enfin, tu ferais peut-être mieux de t'y mettre avant l'heure du dîner. Alors, si tu as besoin d'un peu d'aide, clique sur un des lézards. Moi, je préfère rester à distance. Quel délice! Nous sommes satisfaits de tes services. Tu peux poursuivre, mais abandonne tout espoir de revoir le Zouave. Oh! Ces types pourraient remonter le moral à un régiment de Zouave. Alors comme ça, on abandonne tout espoir? Oh, bah c'est génial! Ça me donne une bonne raison d'aller de l'avant! Oh, il ne manquait plus que ça! Un pont suspendu dans la brume! Oh, ça m'a l'air plus dangereux. Je ferai qu'on approche du dernier morceau de la lampe. Quoi? T'es complètement cinglé! On va quand même pas essayer de traverser ce truc! Voilà un pont qui n'obtiendra jamais le visa de sécurité, mon ami! Regardons ça de plus près. Clique sur une dalle de la première rangée. On verra bien ce qui se passera. Là, t'es obligé de faire travailler tes ménages. Mais sois prudent, hein? Il y a deux règles à respecter. Tu ne peux marcher sur une dalle que si elle touche la dalle qui clignote. Mais il faut que la nouvelle dalle ait une différence, et une seule, avec celle qui clignote. Alors regarde bien la couleur et la forme de la dalle clignotante. Et essaie d'en trouver une autre qui soit ou d'une couleur ou d'une forme différente. Pigé? Ça, c'est bon pour les ménages. Un petit. Une espèce de sous-sol. Il serait temps de revendre toutes ces tiges. Regarde-moi ça. Tu ne penses quand même pas qu'il y a quelqu'un là-dedans? Si. Après tout, c'est peut-être seulement un frigo antique ou antique. Je me demande si le dernier morceau de la lampe est là-dedans.
dernier morceau de la lampe est à portée de main. Attrape-le vite. Youpi! Non, ça, c'est super. Et j'aimerais que tu t'accordes un moment pour faire un peu d'auto-satisfaction. Parce que t'es un bon. Sans toi, nous serions bien. Tu as réussi. Tu as récupéré la lampe. Il est temps de s'en servir. Attention! Et voilà la lampe! On l'applaudit bien fort. Elle resplendit sous les feux de la lampe. Hé, hey, on a une invitée surprise! L'avenir de nos héros semble compromis. Est-ce qu'Aladin et Jasmine pourront échapper à l'affreuse Bizarra et sauver Agrabah? Ou est-ce que le génie et Iago resteront à jamais prisonniers de la pyramide flottante? Qu'est-ce que c'est que les loukoums et comment ça se mange? Pour des réponses à toutes ces questions vitales, retrouvez-nous la prochaine fois dedans. Il n'y aura peut-être pas de prochaine fois! On est dans la mouise! Bizarra est juste derrière nous! Mets-moi vite dans la lampe! Aladin, non! Peu d'expérience médicale, mais il me semble que... T'es complètement cinglé! Fais-moi confiance! Chéri, j'ai rétréci Aladin, mais il me l'a demandé! Cette fois, tu ne peux pas m'échapper, Aladin! Ah non? Eh bien, tu n'as qu'à venir me capturer si tu t'en crois capable. Tu oserais défier l'extraordinaire Bizarra? Tu es à moi, tu entends? Hein, face de rat? Je crois que je viens de faire une petite boulette. Non, poulette, une énorme boulette. Génie, tu ferais mieux de me faire sortir. Bizarra ne doit pas être une voisine très accommodante. Allez, petit! Non mais t'es complètement cintré! Tu veux encore faire sortir cette sorcière? Écoute, vieux frère, j'aime autant Aladin que n'importe qui. Je te jure, c'est pas des blagues. Mais dans le cas présent, je crois qu'il vaut mieux être égoïste et le laisser là-dedans. C'est plus sûr. Non, 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 ne t'en fais pas. La règle 764 du manuel des génies est claire. Le premier à entrer et le premier à sortir. Ton heure de gloire est arrivée. Alors pas de blagues. Allez! À tout à l'honneur. Frotte la lampe et on emprisonnera la princesse Carabosse. On a réussi. Aladin, c'est vraiment toi? Oui, et franchement, c'est pas trop tôt. On était vraiment à l'étroit dans cette lampe. Oh, j'adore quand ça finit bien. Merci de nous avoir aidés, petit. On n'aurait rien pu faire sans toi. C'est vraiment un privilège d'accomplir cette mission à vos côtés. Si jamais tu as envie de remettre ça, tu sais où tu peux me trouver? Les pages bleues, petit. Je suis dans l'annuaire. Oh ouais, c'est très touchant, les réunions de famille. Mais faudrait pas oublier d'aller casser une graine. J'ai faim. Tu as raison. Tout le monde sur le tapis. Non, attends, je vais m'en occuper. On peut laisser la lampe ici? Qui d'autre que nous pourrait entrer dans cette pyramide? Il y a tout de même une chose qui me tracasse. Comment Bizarra avait-elle pu réussir à s'échapper? Coucou, le petit serpent! Oui, c'est à toi que je m'adresse, adorable petit serpent rampant. Je sais que tu es là. Je t'entends dérouler tes anneaux. Approche-toi de la lampe de Bizarra. Viens plus près, mon mignon. Je t'ordonne de venir, tu entends, saleté de serpent? Frotte-toi contre ma lampe, espèce de ver de terre géant. Hé, tu pourrais me regarder quand je te parle?